Non pam se Jean Julien, ki nan kad koleksyon 2004 ou koleksyon du bicentenar de l'independance d'Haïti, vin evite nou kontinue gran pelerinaj ke nou ap fè ansam nan histwa peyi d'Haïti. Elie 30e président d'Haïti. Avant l'oubli, c'est titre livre que l'Ilesco publié. Dans le livre, ça, Lescaut écrit que le naissance Saint-Louis du Nord le 9 décembre 1883. l'État l'école au Cap côté le fait études primaires et études secondaires. En 1902, il étale au prince à l'étudier pour le pharmacien. En 1905, il travaille comme interprète dans la douane Port de Paix. En 1907, il marié avec une dame qui les Corinne Jean-Pierre. Dame, ça a été mouru quatre ans après, en 1911. Le 2 août 1913, l'esco marié avec une autre dame qui les Georgina Saint-Aude. De 1915 à 1917, l'esco des directeurs Port de l'école secondaire Port-de-Paix. En 1917, il a nommé l'esco commissaire gouvernement tribunal civil Port-de-Paix. En 1919... Il nomme le consul d'Haïti dans Antiville, Cuba. En An 1922, avec Mme lier saint timoun l'ESCO quittait Haïti et au vive à Paris, en France. L'ESCO retournait en Haïti en 1926. En 1926, il était juge tribunal premier instant de porte de paix. En janvier 1930, Bono nommé le secrétaire d'État, Instruction publique, agriculture et travail. En mai 1930, Borno nommé le juge d'instruction tribunal Port-au-Prince. Borno tombé. Les scots sans problème pédalé avec Vincent, qui nommé le juge tribunal cassation, commissaire tribunal cassation. Yon gros question nous posée nous la konye, comment se fait-il que les est arrivé occuper toute gros position ça dans la justice, sans que par aucun côté, aucun document qui fait recueillir oui, les scots étudié droit ou bien était avocat? En 1932, Vincent nommait l'ESCO ministre de l'Intérieur. Et le 22 mars 1934, avant que t'ait parti à le voyage officiel, yon moins aux États-Unis, Vincent mis l'ESCO à la tête toute minutieux, qui donc, c'est l'ESCO qui tape diriger PIA, et pendant tout temps ça que Vincent patte là. L'ESCO a profité de belle occasion ça pour te faire un discours devant Statut Toussaint l'Ouverture, qui tout sonne masse devant Palère. Disko sa te fewe kleman ke leskot ap travay pou lvin prezidant d'Haïti. Lucien Ibert, minis de finanso Vincent, te prezante la chanm yon deman pou permette gouvenman koupe 10% sou aprentman tout emploi l'Etat de fason pou yorive balanse budget ane fiskal 1934-1935. Depute du Marseille stimé ki te gonza fe personel avek Lucien Ibert, te kampe an kwa kont proje sa a, Et la chambre t'a voté non. Ça t'est représenté pour tout cabinet ministériel là un vote de blâme. Vincent, après ça, t'es mandé ministre puis au tout bail démission. Démission en bloc ça a viré de l'ESCO, qui l'a même passé de ministre de l'Intérieur à ministre d'Haïti à Ciudad Trujillo. Vincent, sans que le patron lui compte, c'est lui-même qui peut le permettre. L'ESCO vient président d'Haïti. Taï Trujillo avec l'ESCO, as commencé depuis l'ESCO. Et force Vincent refouler quelques exilés dominicains Jacques Mel avec Okaï. Zamita et la Tevin Pifo, les après rencontre deux chefs de chefs d'État, Yon et Daabon, Vincent en 1935, mettait Lesco à la tête d'une commission pour régler les affaires frontières entre deux pays. Yo. Avec nomination Lesco comme ministre en Dominicanie, qu'on y a entre Lesco et Tourio, c'est pas ça net. En mars 1937, Vincent déplaçait l'esco et nommait le ministre d'Haïti, Washington. Là pour là, l'esco rentrait dans un avec Somner Wells, un gros autobré dans le gouvernement américain. Zamitaï, ça a été te tellement serré que le 11 janvier 1941, Sumner Wells voyait un mémo par le président Roosevelt pour présenter l'esco comme un bon ami des États-Unis et le faire comprendre que si l'esco vient président d'Haïti, Nou kap kontè sou li, el pral kolaborè avèk les Etats-Unis net alè. Antre tan, Trouillot ap fè manèv pou l'fè Lescaux rive prezidant d'Haïti. Gouvernement haïtien te voye baye Lescaux yon gros som l'ajan pou l'achete os Etats-Unis 3000 fuzi pou la gade d'Haïti. Apre un an, kom Lescaux pat voye fuzi yon, Sidney de la rue yon blan Amerikèn ki tè la pou kontrol le finance peyi d'Haïti. te vo e mande l'esko pou l'wetounen tout la jan. L'esko ki te depanse pifo nan kob sa, kouri telefonen tou yon, e mande l pou l'pote l kon kou. Tou yon la men, pase Andres Pastorisa, ki te minis Dominik en Washington, instruksyon pou l bay l'esko yon chek. Ou liyo ke l'esko dan la bank fè yon transfer, ou bien fè yon lot chek, li te tout met si atul nan do chek minis Dominik en, e vo el konsa an Haiti bay de la ruj. Un mois après, le 20 septembre 1940, l'ESCO veut en belle lettre to que qu'il les chefs pour remercier de ce qu'il dans une situation qui était très dangereuse pour l'avenir politique. Y. Finalement, en 1940, nous joignons Élie Lesco comme sénateur de la République. Administration Lesco. Lesco montait au pouvoir le 15 mai 1941. C'est un président d'Haïti qui était chargé avec expérience politique. L'Elte est monté au pouvoir. Une semaine après, le 22 mai, Lecourrier a rencontré tous les sous frontière dans zone zones pinhas et Belader. À cause toute belle position que l'a passé sous Borno et Vincent, ministre, juge, ambassadeur, député, sénateur, Lescot est monté au pouvoir chargé avec expérience politique. À la papote, Lescot déclarait que programme politique est simple. Premièrement, il maintenir la paix. Deuxièmement, il maintenu maintenir l'ordre. Troisièmement, il créé créer de travail. Et quatrièmement, il réalisé réaliser un programme de justice sociale largement large. Au fond, l'escote a un plan secret qui n'a aucun rapport avec la déclaration officielle que l'escote a fait d'un bel discours. Plan ça, premièrement, c'est faire la garde d'Haïti et fidèle à lui-même. Deuxièmement, dominer la chambre. Troisièmement, fait Haïti bénéficier pour façon que le poil camper à côté des États-Unis. Quatrièmement, gouverner Haïti avec main de fer. Et cinquièmement, quimber tout le monde noir dans le campé loin. Favoriser et baille gros avantages seulement à blanc, Mulat et griffes. Le 6 juin 1941, trois semaines seulement après qu'il le t'est monté au pouvoir, scouts organisaient par au point son gros parade militaire. Côté, elle était déclaré tête li, commandant en chef garde d'Haïti. la même, il prend un décret et il mettait garde présidentielle ensemble avec la police directement sous contrôle. L'Escot est censé venir tout pouvoir militaire dans elle et tout gauche-braque état-major. de là, là dans qu'on combat À partir de février 1942, l'Escot est poussé ça encore plus loin. L'Elta établit tribunal militaire dans tous cinq départements de pays, pour juger tout le monde qui commet des crimes et des délits. Comme ça, le tribunal militaire a remplacé le tribunal civil. Il faut que nous connaissions que dans l'époque, le pays a seulement cinq départements. Le nord, le nord-ouest, la tibonite, l'ouest et le sud. Le pays a pris le temps jusque sous François Duvalier pour le diviser en neuf départements géographiques. y a une façon pour te consolider le consolider, pour voir. L'escorte a décidé de remplacer toutes les par délégués. Il est nommé un délégué pour chaque six villes saillées. Au Cap, Port de Paix, Gonaïve, Jacmel, Okaï et Jérémy. Toutes six délégués été sous contrôle de Gontran Rousier, qui était ministre de l'Intérieur. Le 8 décembre 1941, après avoir escadron un avion japonais et fini de bombarder quelques bateaux de guerre américains en père dans la zone beau Hawaï, dans l'océan Pacifique, l'ESCO déclarait le Japon la guerre. Quatre jours après, le 12 décembre 1941, l'ESCO déclarait l'Allemagne, ensemble avec toute l'Italie, la guerre. Et il était fait main dans le fort national, en pile allemand avec un pile italien qui tape vivre dans le pays. Le 24 décembre 1941, l'ESCO déclarait la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie la guerre, qui fait dans 16 jours, Président Elie Lesco a déclaré en total de six pays la guerre. À partir de 7 janvier 1942, comme sous marin allemand ont commencé à couler quelques bateaux marchands dans, dans de la zone d'Haïti, haïti a tout profité pour le fait d'appuyant sous-bien totalement avec Italiens qui étaient en prison fort national. Il a offert pour le mettre à disposition des États-Unis 20 000 soldats et 50 000 travailleurs agricoles, si au cas les États-Unis t'avaient Le 15 janvier 1942, la Chambre votée et bayée l'ESCO plein pouvoir pour tout temps. Deuxième guerre mondiale a duré un mois. Après, puisque l'ESCO gain plein pouvoir, il était suspendu constitution et il était passé la garde d'Haïti l'ordre pour arrêter, juger, condamner et exécuter tout le monde qui t'avait fait sabotage ou bien mettre du feu. Après ça, l'ESCO fait un voyage aux États-Unis. Ils ont louvri pour lui en ligne de crédit de 2 millions de dollars pour le cabal Goudlajaret. Ils ont été 5 petits bateaux de guerre pour le te Tevin l'ouvrir marine haïtienne en bisoton, ensemble avec 6 petits avions de glace. Avions étaient anciens. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de durée. Mais quand même, ils ont permis de formation en corps d'aviation. Et les États-Unis ont dépêché 50 officiers. Pour vous montrer militaire, militaires haïtiens comment ils pilotent l'avion. Les Scottes tellement voulu collaborer avec Américain, yo, les Américains qu'elle t'a offert les États-Unis pour au point Haïti et mettre le gouverneur pendant tout le temps que la Deuxième Guerre mondiale a duré. En octobre 1943, les Scottes font l'autre voyage aux États-Unis. Quand ils ça, le président Roosevelt là à la, la Maison-Blanche. Ils ont promis à l'Esco que les États-Unis ont un projet pour développer caoutchouc va pomper 40 millions de dollars en Haïti. Canal que le gouvernement américain a choisi pour développer le programme, relais la société haïtiano-américaine de développement agricole ou bien tout simplement Chada. Chada, c'est un ampli gofléo que le pays d'Haïti a passé. Blanc, vini à gros tracteur, ils ont rasé tout ça sur une affaire de 133 400 hectares. Ça que te représente 21,55% presque yonka, toute bon terre qui te conserve dans le pays pour faire agriculture ou bien faire jardin. Ils ont craché des ils ont des plantations café, cacao, banane, bananes, ils ont coupé pied pieds pied pieds noirs, pieds pie lames véritables, planté pour faire code et des que peuple plater les codes pou fè kaoutchou. An 1944, apre selman en an, Chada te fè fayit nan zon bo oboy, baye, nan nor, kote yo te fè gro plantasyon kon kabrit, yo te reysi fè selman 5 ton kaoutchou. Apre Chada ale, plujer kote nan peyi ya te tomon vas savan, tout kaj te krasi, tout bon te dechouke, an pil nan peyi zeyo pat mem ka montre an plasman kote teyo ansan ma kaj yo teye. Les Sahas, les même, habillés en militaire, avec Kepi ou chapli bien raide sous tête, t'as fait bel discours pour dire que en qualité de commandant en chef des forces de l'air, de mer et de terre, Chada, c'est ton façon pour Haïti aider notre grand et puissant voisin du Nord, que sont les États-Unis. Puisque dans ça, toute industrie en Europe et aux États-Unis t'est tombé fait zame avec matériel pour la guerre, tes vignes gagneront tes produits première nécessité. Puis, produit un coup savon, l'huile cuisine, pièces de rechange, caoutchouc pour automobile, camion, bicyclette, motocyclette, tout te monté tête nègre. Quel gros commerçant n'a pas de prince, te profité de situation ça, pour yon serrer quelques produits et tomber fait noire noir. L'esco qui te énervé de ce que situation machine noire, ça a, t'as qu'à gros problème, te dit, si au cas les alliés pas fini avec Gessaha, la un ciel d'avion elle Berlin. Personne pas cap comprendre sens déclaration ça. Parce qu'à l'époque, aviation haïtienne était seulement 60 avions Douglas en mauvais état. Et puis loin avion ça a été c'est Saint-Juan, Puerto Rico. C'est quelques temps après ça, gouvernement haïtien, poil monter la compagnie haïtienne de transport aérien. Ki ve di ko ata ki de gen 2 ou 3 avyon a elis ki kon te kon ki te pot ou prens 2 ou 3 fwa par semen pou al depose ou bien al pren pasaje port de pe au kap Jacques Mel, Jérémy, avèk ou Kai. Se avyateur l'armé d'Haïti yo ki te kon pilote avyon sa yo. Mouvement rejeté. Sou l'esko pat gen zafè bon kanaval kouri nan la rui, l'esko te defan sa. Ça fait bon rara, ça fait dans sa cérémonie au niveau d'oublier ça. Dans l'année 1941-1942, tu as gagné un gros événement qui t'est passé en Haïti. le mouvement rejeté. Les qui sont bons catholiques, tu as toujours gagné un chapelet ou bien un rosé que l'a brûlé. C'est comme ça que sco l'église catholique, autorisation pour lancer mouvement rejeté. Pas dans la ville, cependant. Père français a quelques pères haïtiens qui étaient dans la commune en dehors qu'on fait gros procession, Avec la croix devant, bannière déployée largement large, deux enfants de cœur habillés tout en rouge, un enfant de cœur à balancer un censeau à tous les mains qui a dégager la fille pour chasser mauvais air. Un autre enfant de cœur avec un goupillon plein de l'eau, pour mon père faire aspersion et vouer de l'eau bénie. Mon père lui-même, habillé avec une grande robe noire, chasuble blanche lissoulie, yon ti bonnet toal noa, byen chita sou tet li, e brevye l namel, te rale deyel, yon la triye fidel. E apre chak dizen chaplet, fidel yo tap voye monte, yon chante, ki te gen kom refren, Marche avek nou, sen Michel Akanj, ou te bat demon ak tout mouvezanj, gran mesi bondye nou tout rejetek, pou nou sevi ou san melanj. Kaporal sou distrik, kek soldat, chef seksyon, yo tout bien ame ak fizik, Ansem ak kek sou ket la ouze ak gwo koko makak, te ansek le posesyon pou baye sekivite. La posesyon sa yo pafwa te kon mache plusieurs kilometre pou yal kraze, pye, brule tout oum fo ki genyen an bouk ansen ak nan seksyon rural. Se pa de abu ki te koumet, sa ke te pitris, se pa de pet gwo trezor ke peyi da iti te fe. Yo te kraze, brize, anpil, ti statu, an wosh ke indyen yo te fe. En pile poupée en porcelaine de Limoges, en pile vert en cristal de Baccarat, en pile pot, en pile terrine, en pile bassinette, qui était pour les colons français yo, te, et qui était conservé pour faire cérémonie. Cependant, pas étonné, le roi apprenne que je n'ai au cap jeune en pile dans trésor yo, exposé dans quelques gros musées en Amérique et en Europe. Pour les mouvement rejeté à Jaret, c'est un père blanc qui était le père qui était professeur dans petit séminaire au Collège saint martial port au prince qu'on montait sous prêche et écrit dans un journal pour le salamber religion vaudoua. L'idée qu'on dit que vaudoua c'est une bonne pratique superstition, qui donc, pour Père père Froisset, vaudoua sont religion satan. La même, il y un ethnologue et communiste haïtien qui était le Jacques qui monté sous plume plumelie. Il était publié dans le journal Le Nouveliste, une série titre pour faire comprendre que vous doigts, ces religion peuple-là. Et c'est une bonne religion que l'Ier. Si vous voulez changer religion peuple-là, ce n'est pas pour poursuivre les, ni critiquer. Les. Ça, nous besoin en Haïti. c'est n'est pas une campagne contre superstition, mais plutôt une campagne contre misère, une campagne contre l'ignorance. C'est tout intellectuel dans le pays qui tape suivre dans le journal, groupe polémique qui tape fait entre Père c'est. E jacoumen, apre ke pe ou te fin klaze an pil oum fo yo ki yande yo, an san mak nan seksyon ral yo, konye, yo ta par yo pou al dechouke oum fo ki nan vil yo. Yo mate, nan chapel delman nan poto prins, alor ke yon posesyon te pou al derape pou al dechouke kop kek oum fo nan poto prins, la me paret, yo lou vizam sou tout moun, pat gen mo, sepandan ni mo pe, Ni sacristain, ni enfant de coeur, ni fidèle, tout point rac, et toute camarade boisé. C'est ça que devine un point final dans affaire mouvement régétaire. Le 8 décembre 1942, comme fermeture au mouvement régétaire, gros la possession, c'est ma grosse cérémonie était faite dans l'église catholique dans tout pays pour consacrer Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, à cause et brisée, et tout gros gars qui était fait dans affaire rejeté, les affaires de l'Esco, l'Esco la gueule toute responsabilité à le pays. même blâmer l'Esco, ça que la cause de l'Esco avec Pérou et dos à dos. Et l'Esco même t'est tellement mauvais que décidé de couper l'influence père français en Haïti. C'est comme ça, deux mois après, en février 1943, l'Esco fait Louis Collignon, un Père américain, de la congrégation des Oblats Marie Immaculée, vient monseigneur Okaï, en dépit opposition archevêque. de presque, monseigneur goise ensemble avec tous nos apostoliques-là qui sont italiens. Même année 1943, l'ESCO invité père congrégation sainte croix au Canada, vint bâtir un collège port de paix. Père canadien, était au Cap en visite. Les L'ESA, il vint trouver le plus commode pour acheter le collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, au lieu qu'il ait bâti un collège fort de paix. C'est ça que le permettre, Quelques temps après, Père cousins, un Canadien, vient au Cap comme évêque coadjuteur. C'est à partir de l'année 1943 que les Oblats Marie Immaculée et les religieux de la congrégation Sainte-Croix pour commencer laïté Corio en Haïti. Jean-Santa Pati là, s'il laisse côté passer plus de temps au pouvoir, il clair que le TAP finit par réduire et même craser l'influence français française en Haïti. Finissement gouvernement Lescot. À partir de l'année 1943, Lesco est tombé fin pile arrestation parce que l'opposition a commencé à monter contre lui. Le 19 avril 1944, la Chambre votant l'autre constitution qui déclarait, premièrement, pas d'élection tout temps la guerre, pas qu'on Deuxièmement, Changer mandat président et permettre l'Esco était au pouvoir jusqu'en 1951. Et troisièmement, la Chambre a ratifié toutes les actes que l'Esco posait. En juin 1945, délégation de plusieurs pays étaient été à San Francisco aux États-Unis pour remonter l'Organisation des Nations Unies, qui veut dire l'ONU. Dans la première séance, là toutes délégations étaient jointe sous le bureau, yot, yon paquet qui t'a une photo toute toutes lettres que l'Esco a écrites depuis 1937. Preske mèm lè, tou yon fè distribu yon Haiti, kopi yon lette ke lte ekri l'esko, kote lte deklare tout l'ajan ke lte konbay l'esko, elte repoche l'esko, deske yon ça, pays, 1945, fait fait les même, yon ingra, pou tout sa lte fè pou li. Rapidman, kopi lette sa te gaye nan tout peyi ya. An mèm 1945, gouvenman fè fè moun ti jounal etidian kterilè zinglè. La mèm, yon goub joun entelektuel ki ta gòsh T'es décidé de monter un petit journal que relève la ruche. Avant que l'on lance ce journal, ça a, il te tellement monté contre l'ESCO que il a le temps de l'ESCO rue voit le passé chaque matin, il a le palais et fait un vasouli. Numéro 1er janvier 1946, petit journal la ruche a tombé dans le prince tant prince coup bombe. tu journal là la salle, 1946 comme l'année qui pourrait porter la victoire. Et la démocratie pourrait eu il pourra triompher contre toute fasciste et toute oppression. Le journal l'a dit que pourra le changer non tout mois qui dans l'année. Mois janvier pourra le vivre, mois liberté, mois février pourra le vivre, mois unité et mois mars pourra le vivre, mois résistance. Le lendemain matin bien bonheur, il a arrêté Théodore Becker, qui était directeur du journal là ensemble avec René Depestre, qui était rédacteur en chef. Là même, reste équipe journal La Rucha passé à l'action. e ou deside lanse yon hot de grev pou tout l'ekol nan pa ou prins. Le gouvenman apren sa, yo kou il a gena aswe 5 janvye, Theodore Becker, ansan mak tout rene de pestre. Mem swa, tout ekip jounal la rouche la reuni, e ou deside monte yon komite nasyonal de grev. Kon nyer, yo pa pal fek grev nan pa ou prins solman. Non, yo pal lanse yon hot de grev nan tout peyi ya, pou yo deboulone lesko. Dejou apre, le 7 janvye 1946, Étudiants, école de médecine, d'abord. Après ça, étudiants, toute l'autre faculté. Et finalement, c'est toute l'école dans Port-au-Prince qui te fait main. Élève avec étudiants te à la rue et au apprennent à Balesco, vive la révolution. Le lendemain, 8 janvier, tout magasin fait main. Emploi et l'État, professeur l'école, c'est tout pays qui t en grève Le 9 janvier, toute porte au prince campé pour faire gros pour un jeune garçon bel air qui te les André Jean. Que la police t'assassinait. T'as gagné plus mort si la police t'a ouvri sous manifestant yo. Yo seulement marché sous foule là, fait quelques arrestations et voué quelques coups de bâton. Le 10 janvier, toute ministre remet des missions ...les SCO essayé avec Emile Saint-Lô, yon leader noir, ...monter yon nouveau cabinet. Tout monde Saint-Lô contacté, yo tout est refusé. Lesco monte dans la radio pour dire que la priorité n'en pas à quand même. Et dernier avertissement que le bail, la des mesures très sévères pour rétablir l'ordre. La nation est prévenue, le monde entier est averti. Le 11 janvier, grand matin, un agronome haïtien qui tirait les louis des joies, monsieur offert à M. Journal quest un caisse-révolver et essayé de faire comprendre que révolution parfaite sans âme, comme c'est un bon jeune garçon, sans expérience politique, un bon apprenti révolutionnaire, il été refusé. C'est bien longtemps après, il a venu comprendre que si vous ont pris le et distribué au peuple, cap ont capturé l'autre gens. Même jour, en janvier, un groupe politicien a envahi M. Journal la Laroucho et invité pour ensemble former un comité de salut public. Ils ont mis en gros discussion le national a tiré trois coups de canon. colonel Franck Lavo, la radio et a déclaré que la garde d'Haïti prend pouvoir il fait président et Desco prisonnier dans manoir de des Laurier, vous monté un comité Exécutif militaire de trois membres, qui gagne colonel Franck Laveau, Major Antoine Levelt et Major Paul Magloire, et que bien vite, il va faire élection. Le 13 janvier 1946, après cinq jours que l'on les cinq glorieuses, you ont les l'ESCO à bord d'un avion pan américain à destination Miami. Là, l'ESCO avec toute leur famille prend train et à en exil au Canada. Les où Montréal, c'est le père et l'homme Tauris qui a été en Haïti, il te couille fait porter les un chien, téléjol des gars et tout pas tout pour faire connaître que les sco étaient voulons pile l'argent, c'est pas de vrai. En exil au Canada, ça fait les scots pas de bon du tout. Pendant que les scots étaient président, ils te refusé l'itinérance l'air, parce que le pas de vêl sac dérivé président assassinatus le compte la dérivele. C'est peut-être ça. En décembre 1941, sept mois seulement après qu'il pris point pouvoir, il casquait 80 000 dollars et l'achetait bourdon dans le même blanc américain qui était directeur Asco, Manoir Delaurier, il y a eu de belle au prince à l'époque. À peine l'Esco partit en exil, l'État saisit Manoir Delaurier et le Comme il n'y a pas de pension, l'Esco voyait plusieurs lettres, plusieurs messages par le président estimé pour exposer la situation et Mandel pour envoyer l'agent loyal pour lui. Estimé, pas de jambe, répondre l'Esco. C'est Paul Magloire, l'Elvin président. Qui était fini par liquider, pension Lescaux L'ESCO retourné en Haïti en octobre 1956. L'Ital vive la boule. Côté le témori le 21 octobre 1974, à l'âge de 90 ans. bon pour nous connaît que c'est Lescaux qui était créé l'université d'Haïti, ensemble avec faculté d'ethnologie. C'est sous Lescaux, centre d'art, tel ouvre pas au prince, qui prend la cause tout gros et que la peinture haïtienne prend le Et c'est encore sous Lescaux, Yon blanc qui tire les feux clobacte. ki tap travay nan ambassade Ameriken pa ou prens, te publie yon metode sou fason pou ekri kreyol. Lesko te bati yon site la foset o kap, yon rapote ke lesko te fe la chanm pase plizyor bon loa, parmi loa sa yo, yon loa ki mette en fin naturel, sou menm piye de galite afek en fin legitime, pou sak ga deza fe separe bien eritage, le papa yo mouri. Dapre histwa, lesko ke yo te konsidere nan pa ou prens tan konmulat provins, T'es réservé tout bon job dans le gouvernement pour les griffes et les mulâtres. C'est ça que la cause, après les tombé. tombés, y a un mouvement tout neuf fois déclenché dans le pays hier, que auprès de la révolution de 1946. Pour une finie, question que nous avons posée, est-ce que vraiment en Haïti, t'es une révolution en 1946?